Bienvenue dans la famille Isuzu et dans la série N des camions essence d'Isuzu. Cette vidéo sur l'orientation des conducteurs vous donnera un aperçu du fonctionnement de votre camion ainsi que de l'inspection quotidienne avant départ. Il vous aidera à garder votre camion essence de la série N sur la route et à faire prospérer votre entreprise. Le conducteur doit effectuer une inspection quotidienne avant départ. Il s'agit de la plus importante étape à effectuer pour utiliser votre camion de manière sûre et efficace. Cette inspection peut vous aider à identifier tout problème susceptible d'affecter la sécurité du véhicule, à éviter les réparations sur la route, le remorquage et les temps d'arrêt coûteux et à faire économiser de l'argent à votre entreprise en repérant les problèmes mécaniques ou de fonctionnement avant qu'ils ne deviennent sérieux. Une inspection quotidienne vous permet également d'éviter des amendes et des actions répressives coûteuses. Le département des transports exige une inspection annuelle pour s'assurer que les véhicules commerciaux sont en bon état de marche. Il fournit également un rapport d'inspection du véhicule du conducteur pour vous aider à consigner votre inspection quotidienne. Ce rapport couvre tous les principaux composants du véhicule et sert d'enregistrement concernant l'état du camion. Démarrons le processus d'inspection ensemble. Choisissez un endroit sûr pour effectuer votre inspection avant départ. Garez le camion sur un terrain plat et à l'écart des véhicules en mouvement. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du véhicule pour avoir une vue dégagée et claire. Veillez à toujours porter un gilet de sécurité lorsque vous travaillez à l'extérieur de votre camion, de sorte à rester visible pour les autres usagers, et assurez-vous de porter des lunettes de protection et une paire de gants de travail résistants. Veillez à ce que la transmission soit en mode stationnement, que le moteur soit éteint et que la clé soit dans votre poche. Ensuite, calez les roues pour vous assurer que le camion ne bougera pas pendant que vous en faites le tour. Si le camion fait partie d'une flotte, vérifiez le NIV pour vous assurer que vous enregistrez l'inspection du bon véhicule. Assurez-vous également que vous disposez des renseignements requis concernant l'immatriculation et l'assurance du camion. Commencez votre inspection en effectuant un tour préliminaire du véhicule. Depuis l'avant du véhicule, recherchez des signes de fuite ou de fluide sur le sol. Placez-vous devant le camion et assurez-vous qu'il n'est pas penché ou affaissé d'un côté ou de l'autre. Faites le tour du camion en vérifiant qu'il n'y a pas de dommages visibles. À présent, vous êtes prêt à entrer dans le camion. Commencez par vérifier l'état du siège du conducteur, de la ceinture de sécurité et du volant. Vérifiez que le frein de stationnement est enclenché. Ensuite, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant environ 10 minutes. Cela permet au fluide de chauffer et de circuler pour que vos résultats de lecture soient précis. Observez attentivement les voyants d'avertissement du tableau de bord pour savoir lesquels s'éteignent et lesquels restent allumés. Assurez-vous de traiter tout voyant qui reste allumé et qui pourrait indiquer un problème. Mettez en marche le système de climatisation pour chauffer ou refroidir l'habitacle et dégivrer les vitres si nécessaire. Ensuite, allumez les phares, activez les feux de route et allumez les feux de détresse. Assurez-vous de voir les voyants s'allumer sur le tableau de bord et laissez les feux allumés pour réaliser votre inspection extérieure. En sortant du véhicule, vérifiez que le triangle de sécurité et l'extincteur sont bien rangés dans le compartiment situé à l'arrière des sièges. Depuis l'avant du véhicule, vérifiez que les clignotants et les phares fonctionnent et contrôlez les feux de position de la cabine et de la carrosserie. Inspectez le pare-brise. Est-il propre? Présente-t-il des fissures ou des impacts? Dans le même temps, inspectez visuellement les bras et les balais d'essuie-glace. La visibilité est essentielle pour tout trajet. Continuez de faire le tour du camion. Vérifiez que tous les feux fonctionnent, que les rétroviseurs sont bien fixés et propres, et que les portes, poignées et marches sont en bon état. Vérifiez que chaque roue ne présente aucune trace d'endommagement et que les écrous de roue sont en place et bien serrés. Un écrou de roue desserré peut provoquer des vibrations et compromettre la tenue de route. Vérifiez la pression de chaque pneu. Vérifiez que la bande de roulement de chaque pneu ne présente aucune trace d'usure irrégulière et vérifiez que le flanc n'est pas endommagé. Les pneus avant ont tendance à s'user plus rapidement, mais vérifiez l'usure irrégulière de tous les pneus. Un gonflage correct des pneus est important pour la tenue de route, la sécurité, l'économie de carburant et la longévité des pneus, alors vérifiez la pression des pneus. Les pressions recommandées se trouvent dans le manuel du propriétaire ou dans le montant de la porte du conducteur.
Ouvrez la porte du côté passager et vérifiez le niveau du liquide de lave-glace. Remplissez le réservoir si nécessaire. Vérifiez l'état des pare-boue à l'arrière du véhicule. Tous les camions commerciaux doivent être équipés de pare-boue pour éviter que les débris de la route endommagent les autres véhicules. Assurez-vous que le pare-choc et le seuil ne sont pas endommagés si votre camion en est équipé. Si le véhicule est équipé d'un haillon, abaissez et relevez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et veillez à le ranger correctement. Si le camion est équipé d'une rampe d'accès, déployez-la pour vérifier si elle s'étend correctement ou si elle a besoin d'être lubrifiée. Remettez-la ensuite en position verrouillée. Vérifiez toutes les ouvertures des portes de chargement sur la carrosserie pour vous assurer que les loquets sont bien fixés et assurez-vous d'avoir les bonnes clés ou combinaisons s'il y a des serrures. Vous devez également vérifier si les charnières ou les mécanismes d'enroulement des portes de chargement fonctionnent bien ou s'ils doivent être lubrifiés. À présent, retournez du côté du conducteur pour éteindre le moteur. Si vous possédez un modèle à cabine standard, assurez-vous que tous les éléments de la cabine sont bien fixés avant d'incliner la cabine pour inspecter le compartiment moteur. Si vous possédez un modèle à cabine double, veuillez consulter votre manuel du propriétaire pour savoir comment accéder au compartiment moteur. Pour les modèles à cabine standard, assurez-vous que la zone est dégagée devant le véhicule et que vous possédez assez d'espace pour incliner la cabine en toute sécurité. Déverrouillez et inclinez la cabine. Une fois la cabine inclinée, le bras de support de la cabine se verrouille. Vous devez alors insérer la goupille de sécurité pour le fixer. Faites attention lorsque vous inspectez le moteur et ses composants, car certains d'entre eux peuvent être chauds. Vérifiez l'état de toutes les courroies et inspectez visuellement les tuyaux et les surfaces pour détecter d'éventuels signes de fuite ou de fissure. Puis, vérifiez le niveau d'huile en retirant la jauge et en l'essuyant. Réinsérez et retirez-la doucement pour vérifier le niveau d'huile. Le niveau doit se situer entre les repères « full » et « min ». Si le niveau est trop bas, ajoutez de l'huile. Le réservoir de liquide de refroidissement du moteur se trouve derrière le côté passager de la cabine. Il est placé de façon pratique pour vous permettre d'effectuer une vérification visuelle rapide. Vérifiez le niveau du liquide de direction assistée en vous assurant que le niveau se situe entre les repères max et min. Lorsque vous avez terminé, abaissez la cabine et verrouillez-la en place. Procédez comme suit. Retirez la goupille de sécurité du support de la cabine et placez-la dans le support. Tenez la poignée de maintien et déverrouillez le support de cabine en appuyant sur le levier de verrouillage du support tout en tirant le support vers l'arrière. Abaissez la cabine et poussez fermement la poignée de maintien vers le bas pour la verrouiller. Enfin, appuyez sur la poignée de verrouillage pour enclencher le crochet de verrouillage. Vérifiez que la cabine est bien fixée. Ces instructions figurent également sur un autocollant apposé sur la cabine. Retournez au niveau du siège du conducteur, placez l'interrupteur de commande du moteur en position de marche et assurez-vous que le voyant d'inclinaison de la cabine n'est pas affiché. Vous pourrez bientôt prendre la route. Notez les résultats de votre inspection avant de prendre la route. Si vous travaillez pour une flotte, veillez à alerter votre direction si vous avez découvert un élément qui nécessite une attention particulière. Nous vous félicitons encore d'avoir choisi un camion commercial Isuzu. Si vous avez besoin de vous remémorer certains des sujets abordés dans cette vidéo, vous pouvez y accéder en ligne ou sur votre appareil mobile sur le site isuzucv.com. Pour obtenir des renseignements encore plus détaillés, consultez votre manuel du propriétaire ou adressez-vous à votre concessionnaire Isuzu agréé. Faites attention à l'état de votre camion et effectuez un entretien régulier. Grâce à ces deux points clés, votre camion Isuzu vous fournira, à vous et à votre entreprise, des années de transport efficaces et productifs.